Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro, semaine pluvieuse mais semaine heureuse. Lundi, on commençait par le conseil communal de Nyon, on s'intéressait notamment au préavis relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux du vieux bourg. Ensuite, et ce sera notre image de la semaine, la voici, le plan d'affectation Lacréto avec sa tour ultra moderne de 15 étages. Swissquote voit les choses en grand et rêve à l'américaine. Jeudi, c'était journée dédiée aux élections communales qui auront lieu en mars 2021. En plateau, Nicolas Eichmann nous présente les trois candidats pour la plateforme de gauche à la conquête de la municipalité. Avant le conseil communal du jeudi 8 octobre, Florian Cavalleri faisait le point ce lundi en conférence de presse avec l'exécutif de la ville de Gland. À l'ordre du jour, notamment le préavis relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux du vieux bourg, mais aussi la réponse à l'interpellation incivilité à Gland que font la police et la municipalité. Au sortir du Covid, la ville de Gland s'était retrouvée face à un problème criant. Incivilité et déprédation avaient fait leur lit dans la deuxième ville du district. Et là, aujourd'hui, vous apportez une réponse justement à une interpellation issue du conseil communal. Quelle est la réponse municipale à ces problèmes d'incivilité et de déprédation ? C'est vrai qu'après le Covid, c'était une situation qui était difficile aussi pour les jeunes. Il n'y avait plus de discothèques, tout était fermé. En plus, il fait beau, donc les jeunes y sortent. On est de loin, pas la seule commune ni la seule ville qui avons rencontré ces problèmes-là. Donc ça, c'est une chose, mais ça n'excuse évidemment pas de faire des déprédations et des incivilités. Donc nous avons, comme nous travaillons avec la gendarmerie, nous sommes une commune délégatrice. Donc, nous avons déjà demandé en printemps des patrouilles supplémentaires pour la ville de Gland. Et puis, quelques jeunes ont pu être identifiés donc, grâce aux caméras qui se trouvent à la gare. Et puis, on a fait aussi, parce qu'un côté, il faut un côté sécuritaire, un côté répression, ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait avant. Quand les jeunes y sont identifiés, ou bon, pas seulement les jeunes, hein, ça peut aussi être des adultes qui font des troubles à la tranquillité. Donc quand ces gens sont identifiés, sont dénoncés au règlement de police, à ce moment-là, nous on les reçoit donc à la commission de police et puis ils sont amendés. Nous avons mis sur pied avec le service de la jeunesse, donc les travailleurs sociaux avec le Parlement des jeunes, ils ont fait des stands, ils ont commencé à faire des médiations entre la population et puis les jeunes. Parce que je pense que c'est aussi une question de tolérance, de connaître qu'est-ce qu'il veut l'autre. Comme les jeunes, ils doivent aussi comprendre que la population a le droit d'être tranquille et de pouvoir dormir la nuit. Et l'on reparle des travaux du vieux bourg à Gland avec un chiffre, celui du crédit de réalisation qui manquait encore à ce projet. Michael Rohrer, quel est ce chiffre ? Alors, le chiffre articulé aujourd'hui est de 16,7 millions. Alors, bien sûr, ce montant-là est réparti sur tous les travaux qui vont être faits. Donc, je rappelle juste, il y a tout d'abord des travaux de réseau qui vont être faits, donc les arrivées d'eau et puis, bien sûr, les évacuations d'eau avec les mises en séparatif. Ça, c'est le côté technique. Ensuite vient le côté qui va plus concerner le citoyen, qui est en fait les aménagements de surface. Donc, sur ces aménagements de surface, on va recréer en fait des places, une place devant la maison de commune, une zone de rencontre, une place un peu vers le café du rallye. Et puis, on va en fait créer aussi tout un cheminement piétonnier entre Iconote et direction la gare. Ça fait des années, hein, pour ne pas dire des décennies, qu'on attend ces travaux dans le vieux bourg. Alors, désormais, tout est sous toit. Il ne reste plus qu'à entamer le premier coup de pioche. Alors ça ne va pas aller si vite que ça. Hein. Maintenant, il va falloir faire les plans de réalisation définitifs qui vont vraiment faire le chiffrage très très précis, à savoir à quelle hauteur, ou plutôt quelle profondeur vont passer ces différents réseaux. Donc on a encore quand même pour pratiquement une année, pas tout à fait une année, avant le premier coup de pioche.
Réserver les 230 000 mètres carrés de la zone de Champcollin au développement des petites industries et de l'artisanat, tel était le préavis proposé par la municipalité nyonnaise débattu lundi soir lors du conseil communal de la ville. Des amendements ont finalement remis en cause le projet de l'exécutif nyonnais. Les explications en compagnie du municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gay, mais aussi Florence Darbre-Gubin, présidente de la commission en charge du dossier. Quel était ce préavis municipal de base ? Alors, on avait mis une zone réservée de 5 ans sur cette zone pour en fait déposer un règlement afin d'encourager les activités primaires, secondaires, donc l'artisanat et l'industrie sur ce secteur, et ne pas laisser des activités tertiaires s'imposer dans ce secteur. C'est une des dernières zones, hein, finalement, sur laquelle la municipalité peut imposer des activités, justement, industrielles et artisanales. Oui, c'était vraiment l'objectif, c'était de sauvegarder cette zone pour les artisans à des prix raisonnables pour leurs activités. Un amendement a été déposé. Expliquez-nous quel était cet amendement. Alors, cet amendement voulait donner la possibilité sur cette grande zone, surface d'environ 230 000 m2, d'avoir la possibilité, je dis bien la possibilité, d'avoir soit des restaurants ou des cafés, et, ainsi que des lieux d'accueil pour les enfants. Et ceci pour les futurs travailleurs et travailleuses de cette zone. Il nous pose un problème, c'est qu'en fait, on rouvre la possibilité du tertiaire dans la zone. On avait défini que les activités dans le quartier de Champcollin, c'est uniquement de l'artisanat, donc c'est-à-dire que c'est de la production, de la transformation. Et une activité commerciale en lien avec cette création, en fait, cette production des artisans. Or, les restaurants ne sont pas du tout dans cette classe-là, ce qui veut dire qu'on rentre de nouveau avec du tertiaire et du commerce. Donc ça nous pose un problème. Donc on va devoir modifier en fait, ce règlement pour autoriser ces restaurants. Mais pour ça, on a cette enquête complémentaire qui nous demande de repasser par le canton. Ouvrir au restaurant, voire à la garde d'enfants, ben, c'est permettre à des tiers de profiter de loyers bas finalement. Non, pas forcément. Enfin, c'est peut-être une question qui est encore à discuter. Ça dépend qui donnera la possibilité de louer ou d'acheter finalement, puisque ce sont des terrains privés. Je pense qu'il faut le faire, enfin on peut espérer que ces gens le fassent dans cet esprit toujours d'artisanat et d'industrie. Donc pourquoi pas, peut-être des généreux propriétaires n'augmenteront pas les tarifs pour les travailleurs et travailleuses de cette zone. Le syndic parle de 2 ans de retard hein, suite à cet amendement. 2 ans, est-ce que c'est vraiment insurmontable pour un projet tel que celui développé à Champcollin ? Non, j'aime bien l'optimisme du syndic, mais en fait, une enquête complémentaire demande un examen préalable au canton, c'est-à-dire en fait qu'on refait une demande au canton par rapport à tous les services, sur l'environnement, sur la mobilité, les routes, l'économie, etc. Donc tous les services de l'État vont se repencher sur le dossier en fonction des nouvelles demandes de la ville. Et puis il y a un deuxième amendement qui concerne la végétalisation et les voies de mobilité douce. Et ça, évidemment, que ça pose aussi un problème parce qu'on avait pris un accord avec le canton sur des cheminements et des principes, en fait, et qu'on pouvait mettre en œuvre en fonction des demandes de permis de construire qui viendront dans les années. Alors que là, on va devoir définir des cheminements en amont avec des servitudes. Mais bien évidemment que des servitudes dans ce quartier-là seront difficiles à obtenir. Une zone industrielle artisanale, souvent on les voit, il n'y a pas de végétation. Elle est déjà à la regarder comme elle est aujourd'hui. Et puis ce serait vraiment de faire un lieu aussi agréable, toujours, pour les travailleurs et travailleuses. Et puis avec tous ces soucis de changement de climat, de penser à la perméabilité des sols, enfin de mettre un peu de verdure, enfin voilà. Pour la population nyonnaise, finalement, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce préavis Champcollin ? Alors une zone artisanale pour les artisans de la région, pour l'économie de Nyon, parce qu'on souhaite quand même garder des artisans à Nyon. Je crois que c'est important pour une ville de 22 000 habitants d'avoir une zone artisanale et des artisans qui sont dans la ville et qui ne viennent pas seulement de l'extérieur pour travailler, pour apporter une plus-value pour les habitants de Nyon. Swissquote touche les étoiles. À Gland, la société étend son site avec la construction d'un troisième bâtiment ultra moderne, symbolisé par une tour de 15 étages. Mais alors, pourquoi vouloir d'un campus à l'américaine
à Gland. On en parle justement en plateau avec nos invités. Marc Burki, CEO de Swissquote, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous. Avec nous également Thierry Genoux, municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme pour la ville de Gland. Bonjour Thierry Genoux, merci d'être avec nous. On va commencer cette discussion avec vous, Marc Burki. Aujourd'hui, alors que beaucoup d'entreprises font le choix de quitter leurs locaux, de décentraliser leurs employés, pourquoi vous avez fait le pari inverse ? Mais on s'est posé la question, en fait, si on devait avoir plutôt eu un développement très décentralisé, avec des bureaux un petit peu partout, et puis on s'est rendu compte que la vie de campus, en fait, amène énormément de créativité. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a motivés, en fait, à développer notre siège et notre campus ici à Gland. Alors, on va parler de ces avantages d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. Thierry Genoux, le souhait, c'était d'établir un nouveau plan d'affectation sans augmenter les droits à bâtir. Présentez-nous en quelques mots ce projet lauréat, dont on a d'ailleurs quelques images. Alors, c'est vrai qu'il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant vraiment du plan d'affectation. Alors, c'est vrai que les images représentent le lauréat du concours qui a été organisé par Swissquote. Alors, selon leur bon sens et selon leur volonté, ce n'est pas une obligation du tout pour une entreprise privée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu redistribuer ces mètres carrés constructibles, ce potentiel constructible qui actuellement se traduit en volume et dans le nouveau plan d'affectation se traduit en mètres carrés habitables et utilisables. Ouais, du volume, il y en a, surtout lorsqu'on parle de cette tour. On parle d'une tour emblématique. Pourquoi c'était important qu'elle soit finalement identifiable ? C'est vrai que pour la municipalité, le jour où on était approché par l'entreprise, l'idée était véritablement de rentrer tout de suite. On a tout de suite été séduit par le projet. Simplement, il fallait quand même y mettre un peu de qualité, ce que Swissquote a tout de suite compris et voulu aussi. Donc c'est vrai que ça peut être le début d'une série qui risque de se perpétuer sur la commune. On sait que l'urbanisme est là pour densifier les terrains constructibles, donc aller en hauteur semble inéluctable et inévitable dans les années à venir. Donc c'est vrai que ça a tout de suite plu à la municipalité. On a juste demandé que ce soit quelque chose d'architecturalement remarquable, ce qui est le cas, semble-t-il, sur le projet qui fera l'objet d'une nouvelle enquête. Ouais, une architecture extérieure qui est assez symbolique et qui représente finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Vous me disiez en préparant cette interview que le fait de mettre le plus de gens possible au même endroit, finalement, ça appelait à la créativité, c'est l'avantage. Mm-hmm. Oui, absolument, mais on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il faut encore un siège, n'est-ce pas ? Parce que maintenant, on peut faire du home office, les gens peuvent travailler donc depuis la maison, on n'a plus. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un endroit où on rassemble beaucoup de personnes et assez rapidement, on est arrivé à la conclusion que oui, parce que c'est ces petites rencontres comme ça qui se font à la cafétéria entre des gens en fait qui viennent de milieux et de professions très différents qui créent justement ce petit côté, ce petit plus en fait, cette plus-value dans notre offre de service. Et on le voit, un petit côté créatif dans les images qu'on vient de voir, Manchester United, Leonardo DiCaprio, c'est ce que vous appelez dans votre entreprise. Oui, bon, c'est juste, en fait, c'est un espace de travail de coworking, comme on dit. En fait, aussi, on n'a plus forcément un bureau attitré un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire, en fait, les lieux de travail ou les lieux de rencontre, en fait, doivent être organisés. Il faut que ce soit plaisant, il faut que ça fasse plaisir, parce qu'on passe énormément de temps sur une journée de 24 heures sur son lieu de travail. Et aujourd'hui, dans cette espèce de compétition mondiale qui est devenue les sociétés de haute technologie, il faut arriver à tirer ces gens, et le fait de leur donner un écrin et puis de leur donner un endroit où se développer est devenu très important. Ça peut paraître paradoxal, hein, parce que quand on pense au monde de la finance, finalement, quelque chose de très lisse, structuré, et là, finalement, vous appelez à la désorganisation. Pourquoi ? C'est un appel, un nouveau besoin d'une clientèle nouvelle dans le monde de la finance ? Alors, oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une révolution digitale dans la banque. Les banques sont en train de changer énormément sous l'impulsion de gens comme nous, en fait. Nous, on est une nouvelle banque. En fait, souvent, on dit on est une entreprise technologique avec une licence bancaire, ce qui est vraiment une approche très différente. Et pourquoi faire ce pari justement à Gland ? Parce que vous pourriez faire le pari justement, encore une fois, d'aller à l'extérieur, à l'étranger, une entreprise à l'américaine à Gland. Ça peut paraître alors, bizarre. Bon, d'abord, il y a d'attachement historique. Hein. On a commencé dans un dépôt de peinture il y a 22 ans maintenant. Alors, c'était tout petit. Et puis, en fait, on est resté fidèle à Gland. On aime bien cet endroit, on aime cette ville. Puis après, il y a des avantages tout à fait rationnels. En fait, c'est la proximité de la gare, pour nous, c'est très important. Il y a la proximité des autres écoles, il y a un aéroport qui n'est pas loin. Proximité de la gare, vous me disiez d'ailleurs que ça peut être un avantage comme un désavantage.
Alors, c'est un, ce n'est qu'un là, avantage. Je dis ça sous l'œil de Thierry Genoux, attention. Alors, ce n'est qu'un avantage parce que on a 440 places de travail pour 1500 employés. Donc, le fait d'être à proximité d'un nœud névralgique de transport, c'est très important. Mais non, tout le monde n'habite pas le long de la voie de chemin de fer. Donc, c'est clair que ces 440, du coup, en fait, qui sont donnés par les normes VSS, qui limite justement le nombre de places de parc, peuvent être un handicap. Il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts pour motiver les gens pour prendre exclusivement les transports en public. Et là, évidemment, je retourne la question municipale, puisque le trafic, on sait que c'est un gros souci sur cette avenue du Mont-Blanc. Donc on voit, hein, qui dit plus de gens dit forcément plus de trafic. Donc là, quelles sont les mesures que vous avez prises ? Oui, mais comme M. Burki vient de l'expliquer, ça a été vraiment, ça a presque été un combat, je dois le dire honnêtement, entre d'une part l'entreprise, la commune et le canton, puisqu'il y a une application des normes extrêmement restrictive. Donc on augmente de 140 places de parc pour 1000 employés supplémentaires. Ce qui fait que par rapport à l'avenue du Mont-Blanc où on a 17-18 000 véhicules jour sur la partie inférieure, 24 000 sur la partie supérieure, alors je suis presque tenté de dire que c'est négligeable, ben, ça va amener forcément un tout petit peu de trafic sur l'avenue du Mont-Blanc. Mais je pense que notre challenge là sera de vraiment tranquilliser le reste de la ville. Parce qu'on a des zones à 30, des zones résidentielles où les gens habitent. Et si on arrive à concentrer tout sur l'avenue du Mont-Blanc, à mon avis, on a gagné notre pari. Mais maintenant, il y a le quartier de la Combat qui va venir, il y a d'autres activités qui vont venir. Il faudra peut-être faire des modifications de tracé, des modifications de giratoire, des modifications. C'est clair qu'on est attentif à ça. Ça fera partie du chantier, justement. Quelle est la procédure de planification ? La procédure de planification, c'est l'enquête publique du plan d'affectation actuel qui se termine le 15 octobre, donc la semaine prochaine. Pour le moment, il y a des remarques, mais on attend toujours le dernier jour pour se prononcer sur le résultat de l'enquête publique. Après, il y a toute une négociation avec les éventuelles oppositions et ça passe après au conseil communal et c'est mis en vigueur par le canton, le conseil d'État. Donc c'est vrai que c'est une planification qui peut prendre du temps. Premier coup de pioche. Premier coup de pioche possible. Alors là, je regarde M. Burki, mais parce que ses yeux brillent. Hein. Possible automne 2021. Comme possible printemps de 22 ou automne de 22. Mais j'ai honnêtement bon espoir qu'on arrive à donner les réponses que les citoyens attendent. Mm-hmm. Marc Burki, ça vous convient ? Eh bien, je dirais ben, tant mieux, parce que c'est vrai qu'en attendant, il va falloir qu'on fasse avec les locaux à disposition, donc ça devient un petit peu serré. Et puis on sait qu'en temps de Covid, serré, ce n'est pas toujours très bon, alors on continue d'avoir beaucoup de home office. Et on voit, vos yeux ont toujours la même étincelle parce qu'à l'origine, vous étiez à ce projet. Aujourd'hui, de voir toute cette évolution, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ce rêve à l'américaine, c'est lequel ? Alors, que la croissance continue et on fait tout pour ça et on a vraiment un joli projet et j'espère qu'il va devenir un peu un icône en fait de la ville de Gland. Marc Burki, CEO de Suisse Côte, Thierry Genoux, municipal de Lure, en charge de l'urbanisme. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections communales qui se tiendront en mars 2021. À Gland, le Parti socialiste et les Verts renouvellent leur entente au sein d'une plateforme de gauche et présentent trois candidats à la municipalité. Véronique Villene, Michael Rohrer et Rupert Schilbeck. Nicolas Eichmann, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, vous êtes le coprésident du PS Gland et aujourd'hui porte-parole de ce ticket rose-vert. Alors expliquez-nous déjà, première question, pourquoi ces trois candidats-là ? Alors, nous avons arrêté ce choix de trois candidats, donc je vais brièvement vous les présenter. Donc, Véronique Villene, c'est pour elle une suite logique de son engagement au conseil communal. Elle a été présidente de cette assemblée. Elle a été très active aussi en termes d'engagement pour la lutte contre les discriminations hommes-femmes. Michael a pour lui l'expérience de ses 7 ans de municipalité dans deux dicastères. Et Rupert a eu un fort activisme aussi au sein du conseil communal, aussi au niveau de l'association Région d'Oignon, donc une forte
un fort engagement au niveau intercommunal. Donc, nous pensons qu'ils sont très complémentaires. Ouais, trois candidats complémentaires. En 2016, la plateforme Rose Vert n'avait présenté qu'un seul candidat, la personne de Michael Rohrer. Aujourd'hui, quelle est la différence? Alors, la différence, nous avons fait la constatation qu'au vu des résultats aux votations sur le plan cantonal et fédéral, qu'il y a quand même un certain réservoir, une espèce de demande sociale en termes de justice sociale et d'écologie. Donc, nous pensons qu'on a la légitimité pour le faire. Et puis, en plus, nous représentons deux partis qui ont des forts ancrages cantonaux et nationaux, ce qui nous donne pour nous de la cohérence pour défendre nos valeurs. Deux partis, justement, en un, aujourd'hui, sachant qu'un peu tout le monde s'intéresse à l'écologie, hein, pour les Verts. Est-ce que cette alliance, cette plateforme, elle fait toujours sens? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, justement, avoir deux représentativités, deux groupes bien distincts? En soi, nos combats sont les mêmes. Donc, dans les grandes lignes, après, il peut y avoir des nuances. Mais sur le fond, on se complète forcément beaucoup. Et puis, on peut le voir déjà au sein de nos séances de préparation au conseil communal. Il y a des échanges qui se font et qui sont vraiment enrichissants. Et puis, on tire profit de cet enrichissement mutuel. Cette course à la municipalité est bien lancée. Plusieurs candidats se présentent. Un ticket à 5 pour le GDG, un ticket à 3 pour le PLR. Quel est le ou les candidats que vous visez ou le siège? Alors, en soi, je ne vais pas nommer un parti, mais je pense que le GDG en soi a une défaillance en soi au niveau de son ancrage national. Il manque un peu d'unité au niveau idéologique et nous voulons un peu apporter plus d'appui au niveau de l'écologie et de la solidarité. Ils sont nombreux, est-ce que ça vous dérange ? Non, pas plus que ça, ils font leur choix, nous on a fait les nôtres et puis je pense que, comme je vous l'ai dit avant, nos résultats au niveau des votations, pas forcément au niveau des élections mais au niveau des votations, nous encouragent à aller plus loin. Mais selon vous, quelle serait du coup la répartition idéale au sein de cette municipalité ? La répartition idéale, je ne vais peut-être pas me lancer, mais je pense que peut-être placer trois candidats serait illusoire, mais en tout cas deux, pour nous, serait une grande avancée et pourrait nous permettre de moins être dans cette situation de minorité au sein du conseil de la municipalité. Donc on y arrive, gagner un siège chez les GDG ? On peut le dire. On peut le dire, timidement, mais on peut le dire. Lors de sa venue en plateau, le porte-parole du PLR nous expliquait que son groupe attachait une importance aux préoccupations de la population, évidemment. Le groupe souhaite proposer des visions alternatives et différentes dans la thématique de la mobilité. Quelle est votre vision à ce sujet? J'aimerais entendre vos objectifs en termes de mobilité. Alors nous, notre objectif en termes de mobilité, c'est vraiment d'améliorer la qualité des liaisons et puis d'améliorer la mobilité douce. On a pu progresser notamment avec le travail qui a été fait sur les zones 30, qui facilite la cohabitation avec le vélo, par exemple, améliorer les liaisons de bus, train, ce genre de choses. Que le PLR en soi se positionne sur ce sujet, en soi, c'est un peu une découverte. – Leur slogan, c'était une mobilité pour tous. Ouais, – oui, peut-être. – Quand on parle vélo, on met forcément une partie à part. – Oui, mais c'est un slogan. Ouais. Après, faut voir. Enfin, j'en fais leur slogan, mais c'est vrai que c'était mobilité pour tous. Votre objectif, c'est une réalité toujours plus orientée vers la transition écologique, vous nous le disiez avant. Aujourd'hui, sachant que Gland est une ville qui grandit, beaucoup de chantiers qui arrivent, Suisse-Côte, le VVF, le Vieux-Bourg, la déchetterie, est-ce que ça fait sens? Je pense que oui, il y a, je pense, un mouvement qui dépasse juste la simple réalité de Gland. C'est une réalité qui s'inscrit aussi dans une mobilité qui se veut cantonale, je pense que la transition écologique répond à une certaine demande sociale. Au-delà de ce qui se passe avec la grève climat ou la percée des verts, il y a, je pense, quelque chose qui est en train d'émerger, oui. Enfin, s'il devait y avoir un projet pour la prochaine législature, ce serait lequel ? Il serait plusieurs, il serait multiple. On peut renforcer la solidarité intergénérationnelle, pardon, en améliorant l'accueil de la petite enfance. Pour l'instant, les coûts sont prohibitifs en crèche. Il n'y a pas assez de places de crèche. Il nous faut aussi améliorer l'offre d'habitation à loyer modéré aussi. C'est une globalité. Si on parle de transition écologique,
on pourrait parler aussi de développement durable. Le développement durable, c'est du social et de l'écologie. L'un ne va pas sans l'autre. Nicolas Eichmann, porte-parole pour ce ticket rose vert à gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour la rétrospective. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.